Current output is 5.806 LPP. Not even 3% of the required levels. In other words, you're saying it's impossible to open the door to Lost Jerusalem. Open the door? It's doubtful whether we can even find it. I've told you repeatedly that the emulators were mere supplements. You're the one who ignored that. Because of you, we've lost a valuable asset. I've done what I can with what we have, but it's not going to make much difference. Even Mizrahi couldn't pull this off without the original. So, have you finally come to acknowledge that lunatic's work? I'm just being objective. No one in the universe is as knowledgeable in this field as he was. We can't keep our commander waiting any longer. We'll proceed with Plan 401. Plan 401, huh? That seems a bit extreme to me. The 100 series that Helmer's protege is babysitting, not only does it contain the entire record of Mizrahi's research, but the access code for the UMN transfer column to the sealed area of Old Milsha also resides in it. Treat it too roughly, and you'll lose everything. I'm well aware of the importance of Milsha and the Y data. That's why I'm using him. I do not like him. His eyes share the same look as Mizrahi's. The same as yours. Well, I'll be waiting for the good news. Pellegrini, secure a channel to our commander. I want to report this, and discuss our plans for manipulating the committee. I see. So what do you want me to do? The situation is proceeding as planned. Don't interfere with it for now. Of course. I can't imagine the Second Milshan government and the Kukai Foundation will simply hand it over. If this situation warrants, we may have to use the Song of Nephilim. Now this is a surprise. I thought you hated it with a passion. I'm just saying even your toys have their uses. Then why don't you join me? We can enjoy the show together. Thanks, I'll pass. I don't share your perverse taste in hobbies. Yeah, right, you gutless bastard. Albedo. A URTV. A monster born of life recycling. There are plenty of mentally unstable life recycling variants out there. Just as Cherenkov was one of them. If he starts getting impatient and moves on his own... You needn't worry about that. Time means nothing to him. The only thing that interests him is that realia. Are you really going to use the Song of Nephilim? Pellegrini, have you ever heard it? That song draws everything unto madness. Milsha. I never thought I'd come back under these situations. Chief? Is something wrong? Huh? Oh no, it's nothing. How's that, Cosmos? Fine. There are no problems. Please continue. And once again, it's nothing. We will soon be entering the Milshan star system. We will be entering orbit at 1400 hours local time. Second Milsha spaceport flight control, transmitting flight plan, requesting permission to dock. Hey, Momo!
Yes? What is it? We'll be going our separate ways once we get to Second Milsha, right? Yes. I don't know if Rialians believe in carrying charms or not, but... Here, take this. It's for luck. It's so pretty. What is it? It's a bullet from a long time ago. Look. It's got a good luck phrase on it. Sayonara, baby! Thank you. I'll keep it safe. Oh, wait. Hold on a sec. There we go. Try it on. Wow! You can do things like that too? That's wonderful! It kind of tires me out a bit, though. What a strange welcome! Are they escorting us in this time? They're blocking the way? This is no welcome. Confirm photon torpedo detonation in immediate vicinity. We're being surrounded by a fleet of Federation vessels. As you can see from this video, the Kukai Foundation has engaged in what is clearly an act of aggression against the 117th Marine Division. From the events that followed, we can only come to the conclusion that this was an act of rebellion orchestrated by the Foundation's creators, the Second Milsian Government. In light of these troubling events, we hereby enter a motion for the following. Per Article 104, an emergency suspension of the vested rights of Second Milsha's autonomous government. I'd like to add that the 422nd Fleet from Gedalia has been dispatched to the scene in order to surround and contain both the Kukai Foundation and Second Milsha. Hold on there. Won't that constitute an unauthorized use of force? The deployment is in accordance with the Federation Emergency Powers Act. It is fully within our powers. I would think that the Kukai Foundation possessing that level of weaponry is a far greater problem in and of itself. Perhaps they were heroes during the conflict, or whatever in the past, but the current situation is a result of letting them have their way for so long. The Zohar belong to the entire Federation. Why should Second Milsha have sole control? The decision to turn the artifacts of Old Milsha over to an impartial third party was decided by vote 14 years ago. We're talking about the dangers of it being monopolized by a corporation. The Kukai Foundation was converted after the completion of the post-war cleanup and their own disarmament. Since taking on their current name and converting to a business, their primary source of income has become entertainment and tourism. How could they possibly have a vested interest in the Zohar? You call that disarmed? It's just enough for self-defense. Think back to the reason the organization was formed. Not only that, we can't ignore their recent achievements against the Gnosis. Can we be certain these accusations aren't merely jealousy on the part of a state that didn't receive post-war government handouts? How dare you! I've heard rumors that Milsha was secretly involved not only with the current planetary disappearance case, but also with other recent developments, including the Anti-Gnosis Zohar project. I'd like to hear the Contact Subcommittee's thoughts on all this. Dr. Mizrahi? We moved the 100 series Rialian to Second Milsha in accordance with the original plan. We're following the protocols. But I wonder... Have you forgotten that it was Milsha that produced the lunatic that summoned the Gnosis and tried to destroy the Federation? I sympathize with your desire to defend your late husband, but...
Perhaps you are too deeply involved in this situation. I would not have expected my presence here to be misconstrued in such a manner. Oh, really? That this has is just post-war governmental policy. You will stand the Federation if you continue. Jealousy on the part of the state, that's all. Order! Order! We've just patched in with Representative Helmer. I'd like to hear about the situation from the Second Milshian government. Well, Representative Helmer? In accordance with Federation law, we hereby place the Kokai Foundation under arrest for the suspicion of violating Article 798, Chapter 37, Collection and Concealment of Defense Information, and Article 2153, Chapter 105, Acts of Aggression Against Federation Vessels, and hereby revoke all rights previously granted. Shut down your engines and relinquish your weapons immediately. Acts of aggression against Federation vessels? Furthermore, should the Milshian government allow the Kukai Foundation to dock the Durandal, we will issue a state of emergency notice under Article 2384, Chapter 115, Part 18, Conspiracy to Aid Insurrection. It looks like they think the Durandal conspired with the Milshian government in an attack on the Federation fleet. Huh? What Federation fleet? Hey, check out the network news on the sub-monitor! You're not gonna believe this! On the morning of the 21st, it appears that the 177th Marine Division flagship Woglinde of the Galaxy Federation's Tesadora Division came under attack by a heavily armed ship belonging to the Kukai Foundation. The Woglinde? What? I thought the Gnosis attack had been reported already. The company has been identified as operating in conjunction with the Second Milshian government. Considerations for the possibility of treason have forced the Federation Parliament to dispatch... They did a good job doctoring that video. But how did they synchronize the battle coordinates as well? Damn! That's from when we fought the UTIC organization! Those bastards were recording it! I see. That would explain how the absolute coordinates match. I guess that's their indisputable proof. Even I'm starting to think that we did it. Considering the situation, you don't sound very worried. In any event, this is confirmation that the remnants of the UTIC organization have infiltrated both the Federation government and the military. Which means their next target is... This is such a blatant lie, it's ludicrous! As survivors, if we testify... They'll just claim that you survived because you were in on a conspiracy. This is insane! Do you think this is why headquarters hasn't communicated with us? Lapis Roman of the Galaxy Federation Special Ops Command Headquarters, Intelligence Bureau. I hereby place this ship under custody of the Galaxy Federation. I understand you're from the Woglinde. I'll take you in as witnesses. All Vector property will be temporarily confiscated as evidence. Cosmos! Here's the 100 series Reallian under warrant. Hey, don't hurt her! Detain them in a single room and watch them carefully. All of them? Splitting them up will only serve to underman our guard posts. Investigate as much of the ship as possible before we rendezvous with the others. Yes, ma'am! Guinan Kukai, you are hereby under arrest for suspicion of treason against the Galaxy Federation. Come with me. As you wish.
It's all orchestrated too well. Huh? The fleet deployment came too quickly. They must have been prepared to ensure that Momo would return to them, regardless of what happened. Or perhaps ensnaring Second Milsha was part of their plan from the very beginning. As a neutral territory, Second Milsha was invested with a whole bunch of rights and legal privileges after the Milshan conflict. There are a whole lot of folks who still have problems with that. Even outside of the UTIC organization. The asteroid where Momo was imprisoned. I wondered where the information about that place came from. Now it seems like it was all part of the plan from the very beginning. Do you mean from when Mommy sent you to rescue me? You don't think there are UTIC members within the subcommittee itself? It's not inconceivable. Perhaps it was the very person who arranged for Momo's rescue, Dr. Yuri Mizrahi herself. No! Mommy would never do something like that! Alan! Sorry. Open it. Helmer? Sorry to keep you waiting, Guinan. I'm in a somewhat difficult position myself at the moment, but I'm doing what I can with the Federation Parliament. Now, the woman beside you is Captain Lapis Roman. Several years ago, I sent her to infiltrate the military in order to keep tabs on the UTIC members within it. She is one of my most trusted subordinates. Always prepared, aren't you? Caution is something that comes naturally with age. Captain Roman will investigate the Durandal's records before someone modifies them. Please assist her. Understood. I'll give her the Durandal's master key. Sir, there's an EPR comm from the CEO of Vector. Vector? All right, I'll take it. If you'll excuse me, I'll let you know if there are any developments. Busy as always. Not half as much as you. It's good to see you again, Representative Helmer. Likewise, Mr. Wilhelm. We haven't spoken since you resigned as Executive Committee Director. I'm well aware of the situation. Allow me to make a recommendation to the Parliament as well. Mr. Wilhelm, you're too kind. Actually, my concerns have even prompted me to dispatch the Damerung, which is currently underway to the Milshan system. Your concerns? This incident. Surely you've realized by now that... There's no question of the UTIC organization's involvement in it. Exactly. Given that, it can only mean they're after one thing. The original Zohar in stasis on Milsha and... Udu. We can't allow that to be awakened again. I believe our firm's Cosmos and its related staff are currently in your care. I apologize, Mr. Wilhelm. I'm afraid the link between the Kukai Foundation and the Second Milshan government is... Ah, of course. Then please pass a message on to Guinan for me. Surely that would be acceptable. That much I can do. Tell him that we'll lend him Cosmos for a while, and he can use her as he sees fit. We still have time before the Zohar project commences, and in the worst-case scenario, she'll definitely be of use. We'll have the second R&D division and the tactical sim lab provide support. Are you sure? Isn't that top secret? It's a calculated risk. From our point of view, the more real-world data we get, the better. All right. I'll convey your message to Master Guinan. Thank you. Good day, then. Udu. The preliminary inquiry shall now begin.
I am an agent working for Representative Helmer of the Second Milshian Parliament. He's also with us. We can go into detail later, but for now I'll just debrief you on the current situation. You are presently under the custody of the Federation government and the military. I'll be honest with you. The way things are now, within a few hours, she'll be turned over to anti-Milshian forces, specifically the UTIC organization. Soon after, the Second Milshian government will be stripped of all its authority. At this moment, Representative Helmer is working with the leaders of the Milshian Parliament to buy us additional time. However, our opponent's skillful manipulation requires us to find concrete proof of your innocence. But how? That's the question. We need something that would give conclusive evidence of your innocence. Conclusive evidence? What about the Woglinde's black box? We've already recovered that. Unfortunately, sometime after the final gate out, it was modified to be exactly the same as the video recording, down to the time axis. Not to mention, I shot up the database on that UTIC battleship. What about the Durandal's database? A record of the battle against the UTIC should still be there. Can't we use that to prove our innocence? Is that a standard database? Yeah. Ah. Is that a problem? Yes. Standard databases are too easily modified. I'm not certain how reliable they would be as evidence. If we had something that even the owner couldn't change, say a system with a AAA class encryption, then maybe. What? AAA? You don't find systems with that kind of protection just lying around? For something like that, you need the Federation government's motherframe, or the UMN operating system. Wait, what? We have one. Oh, Cosmos. Cosmos? Yes. Cosmos database has a recording of the battle against the Gnosis on board the Woglinde. If we enter that as evidence... Yeah, but in order to copy the record, we need the keys from both the Federation government and headquarters. By diving into the Encephalon and experiencing the record ourselves, we can make a copy through the connection gear. But that's impossible without the dive equipment. How about the service module's simple dive unit? You've got to be kidding! Besides, that's a violation of protocol. We don't have any other choice, do we? Oh, I am so sick and tired of protocol. But... the real question is, how do we get to Cosmos? That'll open any locked doors you come across. I'll just say that we were careless. But to make it look legitimate, you'll need to knock me out. You sure? Otherwise, no one would believe it, right? You have a point. Go easy on me, okay? Forgive me. Thanks. You're pretty cool. Et salut à tous. Attends, je baisse le son qui est dans mes oreilles. Ils sont en train de me défoncer les oreilles. Ok, donc on se retrouve avec Chaos. On va juste le contrôler tout seul pendant ce combat, parce que c'est le premier qui a ouvert la porte en fait, si vous voyez dans la cinématique. Mais après on aura tous les personnages en même temps, à part Cosmos du coup. Donc on va aller la chercher. Donc là il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à bourriner. Je pense qu'il est mort. Ouais, c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir faire ça. Ready?
Voilà, un peu de démonstration de la puissance de Chaos. Donc j'ai énormément de choses à dire sur les cinématiques du coup qu'on vient de voir, ainsi que d'autres choses après, parce que bon, là en gros on va voir quelques combats, et après on va retomber dans un cycle de cinématique combat, pour la prochaine vidéo. Et il y aura énormément de choses à dire, que ce soit sur les cinématiques là qu'on vient de voir, mais surtout sur les cinématiques qu'on verra dans la prochaine vidéo, il y aura... Parce que c'est que des trucs où on va se poser plein de questions. Donc j'aurai beaucoup de choses à raconter. Alors là, on va faire vite. Je vais juste vous montrer ce que je vais faire pour mes persos. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... à la place de Chaos, on va mettre Ziggy. Et on va mettre... Tac. Non, pas technique. Personnage, voilà. On va enlever, parce que j'avais mis ça à chion, ça sert à rien. Hein? Pourquoi elle a rien, elle? Ah mais oui, je suis bête. On n'a pas nos équipements, faut aller les chercher d'abord. Donc ouais, dans les cinématiques, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous allez voir, je vais juste configurer pour les combats, et après... je parlerai des cinématiques en même temps qu'on combattra. Donc je vais d'abord aller chercher l'équipement qui se trouve juste ici. Donc c'est toujours le Durandal, hein, le vaisseau dans lequel on a l'habitude d'être. Hop. Et à l'intérieur duquel il y a toujours l'Elsa. Alors, voilà, maintenant qu'on a tout. On va lui mettre autre chose que ça. Alors, Commander Crest, je sais pas si vous vous rappelez, on l'a volé sur Cherenkov, le boss Cherenkov. Enfin, Cherenkov transformant en Gnosis. Et c'est super, super fort. Enfin, c'est même le meilleur accessoire du jeu. En fait, ça donne plus d'un d'AP par tour. C'est-à-dire que dans l'arcade, vous allez en avoir 5. Et vu que vous pouvez pas en utiliser un à la fois, mais c'est 2 par 2. Vous en avez toujours un en plus en réserve, du coup ça fait que au deuxième tour vous avez 6 AP directement quoi, sans les économiser. Mais on va pas le mettre à elle parce que elle a pas ce que je veux. Je vous explique ça après. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Allez, on s'en fout au pif. Et on va mettre ça plutôt à Junior. Alors Junior, je lui ai mis Breath Soul qui est un des objets qu'on a acheté dans le casino. Qui fait que moins on a de vie, plus on fait de. Enfin plus on a de force, donc plus on fait de dégâts physiques. Et lui il a beaucoup d'attaques physiques. On va lui mettre ça, parce qu'en fait, là, pourquoi je mets ça sur lui? Je vous explique. En fait, un des meilleurs trucs dans le jeu, c'est les attaques qui tapent tous les ennemis en même temps. Et lui, vous voyez, il lui faut 400 points de technique pour pouvoir l'avoir en raccourci, là, pour que ça coûte que 4 AP. D'ailleurs, on va lui mettre partout où on peut. Stormholt. Alors lui il a que des attaques à distance Junior, donc on peut mettre n'importe quoi sur n'importe quel slot. Et le reste on va mettre ça parce que c'est... Pourquoi je mets ça et ça? Parce que bah, ça c'est l'attaque sur tout le monde. Et ça c'est de type Spirit alors que tout le reste c'est de type Pierce. Et on en a assez des trucs de type Pierce. Faut toujours avoir plusieurs types différents pour toucher plusieurs points faibles. Et lui aussi, il a une super attaque, c'est ça, Meteor Shot. Ça fait aussi des dégâts sur tout le monde. Mais ça coûte 600 points, donc on l'aura plus tard. Donc on va pas lui mettre sur lui pour l'instant. Meteor Shot, voilà. Et lui, vous voyez, c'est l'inverse. Il a une attaque de loin et toutes les autres attaques de près. Donc là, on va laisser Cyber Kick sur le reste. Voilà. Et Chion, on va lui mettre... donc, elle a ça... Shockblade, Thermal Blast, Spell Ray et Lightning. Ouais, bon, voilà, elle a les 4 comme ça. Quoique Lightning Blast et Spell Ray, ça sert à rien de les mettre vu qu'elle a les agents raccourcis. Ah oui, mais elle a qu'une attaque de loin, elle a que Spell Ray. Donc on est obligé de mettre ça. Ouais, vas-y, on laisse comme ça, on s'en fiche. Ok. Voilà, et vous allez voir, la technique est simple. Je vous montre ça au prochain combat. Alors là, c'est pour acheter des objets, mais on a déjà tout acheté. Dans la vidéo précédente, il n'y a rien de plus qu'avant. Et en fait, là, notre but est d'aller rejoindre Cosmos. Pourquoi? Parce que, bah, comme vous avez pu le comprendre dans les cinématiques, on s'est fait piéger par Yuti qu'on triquait une vidéo et qu'on fait croire que c'est le Durandal qui a détruit Woglinde, alors que c'est le Gnosis. Hein. Tout ça pour pouvoir récupérer... Pour pouvoir récupérer Momo.
Là, vous dites, mais pourquoi? Parce que c'est pas Yutik qui a Momo, là, c'est... c'est la Fédération qui nous attaque. Alors oui, mais ça fait partie du plan, vous verrez après. Alors, je vous montre juste qu'est-ce que je vais faire pendant les combats, et après, je parlerai plus des combats. Pendant les combats, je parlerai de ce qu'on a vu. Donc là, on va se garder avec tout le monde jusqu'à 6 AP. Vous voyez là, il a 5 AP direct au lieu de 4, donc au prochain tour, il en a 6. Donc on pourra utiliser 2 et utiliser les autres plus tard, mais je vais pas le faire. Parce que ça fait juste perdre du temps pour rien. Voilà. Et alors l'idéal, c'est qu'en fait, on va tous les tuer d'un coup. Voilà, et en plus là, vous voyez, on est sur la pièce, donc c'est parfait. On va faire, voilà, il a 6 AP, donc on peut faire tac, tac, Stormhold. Vous allez voir, c'est super fort. Et hop, voilà comment on fait un combat rapide. Et donc c'est ouais, c'est mieux de se mettre en garde, parce que comme ça on se prend moins de dégâts, et puis de toute façon on doit tous les tuer d'un coup, donc ça revient même. Et comme ça on gagne pas mal de points comme vous le voyez. Donc je rappelle, le bonus de points c'est soit x2, soit x4, soit x10, c'est complètement aléatoire, donc c'est de la chance. Et on va faire ça à chaque combat, enfin pas à chaque combat jusqu'à la fin du jeu, mais... là tant qu'on n'a pas 400 points pour mettre en raccourci, on va faire ça à chaque fois. Voilà, donc on va arrêter de parler des combats, et on va parler des cinématiques. Donc dans toutes les cinématiques qu'on a vues là avant tout ça, ça a commencé avec, sur Pléroma, donc Margulis qui parle avec un professeur qui s'appelle Sellers. Bon, ils nous le disent pas son nom, mais c'est pas important. Qui est en fait en gros un rival du professeur Mistrahi, que vous l'avez compris, et un peu le maître dans le domaine de tout ce qui touche le Zohar. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même. Et attendez, je vais baisser le son dans mes oreilles. J'arrive pas à parler. Il est trop fort. Ok, c'est bon. Vous verrez pas de différence. Et on le voit parler, oui, donc avec Margulis. Et ils disent, faut qu'on aille sur l'Old Jérusalem, donc la terre, notre terre actuelle. Et en gros, lui, il explique, Sellers, que c'est impossible sans le Zohar originel qui se trouve sur Milcia, donc qui a disparu il y a 14 ans lors du conflit, dont on parle tout le temps. Et il parle aussi d'Albedo, donc Albedo, hein, vous avez compris, c'est le mec avec les cheveux blancs, là, qui a l'air un petit peu taré sur les bords, mais qui est complètement taré, d'ailleurs. Vous le verrez plus tard dans le jeu, mais pour moi, la meilleure scène du jeu, elle est avec Albedo. Et ça montre vraiment toute l'étendue de sa folie, il est complètement taré. Et donc, ouais, Margulis, il dit, non, mais je l'utilise juste, machin... Mais en tout cas, ils ont besoin de lui, et lui, il est énormément intéressé par Momo, comme on le voit. Ah, j'aurais plutôt dû faire sur le robot, là, l'attaque, parce que... Du coup, il va se prendre que l'attaque générale et pas les autres. Et je crois que ça va pas le tuer. Ouais, il est pas mort. Ça, c'est embêtant. On va le finir. Je sais pas ce qu'il craint, mais... Ouais, ça lui fait rien, ça. Il résiste vachement à certains types de dégâts, ce robot-là. Il craint surtout le rayon, je crois. Donc ça va pas le tuer, à mon avis. Faudrait pas qu'il me tue chiant, vu qu'elle a que 65 PV. C'est bon, s'il tape le tank. on va faire ça. Donc dans l'idéal, il faudrait tuer tous les ennemis sur le bonus de points, mais bon... On va pas trop s'embêter. Ok, ça l'a pas tué. Comment qu'on va faire? Parce que lui, il a que des attaques. Espérons que ça l'achève. Ok, super. Donc que des points x2 pour l'instant, c'est pas ouf. Enfin voilà. Et après, il parle du plan 401, je crois, et c'était ça. Hein, c'était le plan de monter, en gros, la Fédération contre nous. Parce que, alors, un peu de politique, enfin, j'explique simplement, hein, je vais pas faire tous les détails. Mais en gros, vous avez compris, la Fédération, c'est énormément de colonies, donc de planètes, si vous voulez. Enfin, planètes ou autres, hein, ça peut être des astéroïdes, ça peut être des vaisseaux qui flottent dans l'espace, ça peut être n'importe quoi, mais bon.
colonie, quoi, pour simplifier. Voilà, là on pouvait pas y aller avant parce que le robot que vous voyez à droite, il était devant avant quand on venait là. Et ça permet d'avoir cette clé, on va l'utiliser juste après. Et en fait, du coup, la fondation Kukai, donc il y a le Durandal qui est dans la fondation Kukai là, vous l'avez compris, fondation Kukai qui est dirigée par Gegnun, donc qui est la personne en lien avec Junior, on connaît pas exactement leur lien. Mais on sait qu'ils ont un lien important et qu'il est un peu plus jeune que Junior, il le dit dans les cinématiques. Donc eux, c'est la Fondation Kukai. La Fondation Kukai appartient en fait à Seconde Milcia, donc Seconde Milcia qui est une des colonies, une des planètes. Et cette planète, Seconde Milcia, est représentée, parce qu'elle est, elle est pas dirigée par quelqu'un, si vous voulez, en fait, toutes les planètes appartiennent, enfin, une grande portion des planètes, des colonies, appartiennent à la Fédération Galactique. Et sauf certaines qui sont indépendantes ou qui sont contre, par exemple Yutik, c'est indépendant, c'est pas, ils sont contre quoi. Et en fait, du coup, chaque planète a un représentant. Et là, pour la Seconde Milcia, c'est le représentant Elmer, donc l'homme noir, chauve, qu'on voit dans les cinématiques. C'est le mec qui représente Seconde Milcia auprès du Parlement, donc parce que du coup, il y a le Parlement, c'est qu'on a vu tout le monde parler là. D'où le nom Parlement d'ailleurs. Je rigole. Voilà, donc ça, c'est pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc si vous voulez, ouais, voilà, la Fondation appartient à Gegnun officiellement et aussi à Junior, qui appartient à Seconde Milcia, qui appartient au gouvernement. Enfin, à la Fédération, pardon. Allez, on va continuer. Et donc, la Fédération, justement, le Parlement, découvre l'attaque, enfin, la vidéo truquée du Durandal qui détruit le Woglindé, donc se dit, bah, c'est une trahison, la Fondation Kukai, et donc la Seconde Milcia, ont trahi la Fédération, quoi. Parce qu'ils ont attaqué un vaisseau de la Fédération, le Woglindé. Alors que, bien sûr, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, ils ont utilisé les données de combat, parce que, alors ça, je sais pas si vous en rappelez, je n'en ai pas parlé dans ma vidéo résumée, mais la première fois qu'on voit Junior, il va sur le lieu de destruction du Woglindé, et il trouve des personnes de Yutik, et il les combat justement avec son vaisseau, il les détruit. Et en fait, ils ont utilisé cette portion de vidéo, parce qu'ils ont tout filmé, pour refaire la fausse vidéo où il détruit le Woglindé, en fait. En utilisant les bonnes coordonnées et tout, parce qu'ils ont tout enregistré, vu qu'ils étaient à bord de leur vaisseau. Ok. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Et après, ben en fait, la personne, le capitaine, la capitaine, comment elle s'appelle, je me rappelle plus. On va aller au hangar. C'était. Je me rappelle plus son nom. Bon bref, la personne qui vient nous voir là de la Fédération. Et en fait, avec Elmer, et donc, bon, ça vous l'avez compris, hein, je pense, nous demande des preuves comme quoi c'est pas nous qui avons détruit le Woglindé. Mais vu que Yutik, ils ont tout piraté, est-ce qu'on peut s'enfuir? Non, on peut pas. Hein. Tiens, allez, hop. Voilà. ah ouais, mais ça la met en arrière, pourquoi? Bizarre. Ah, il y a peut-être pas la place sinon, je sais pas. Bon, c'est juste pour faire joli, hein, je vais pas l'utiliser. Les AGWS dans ce jeu ne servent pas à grand chose, à part certains combats bien précis où ils sont bien parce qu'ils sont immunisés à certaines altérations d'état. Et ils ont de bonnes armures. Hein. Sinon, on l'utilise pas en général. Enfin, il y a pas besoin. On peut l'utiliser, hein, si on peut nul à chier, mais. En général, il y a pas besoin. Donc, ça, c'est un combat un peu chiant parce que si vous voyez. Il y a deux lignes, il y a deux ennemis devant et un ennemi derrière, du coup là, l'ennemi derrière il va pas être touché par l'attaque de zone. Parce qu'il y a deux types d'attaques de zone. Il y a celle qui touche une ligne et ceux qui touchent tout le monde, qui sont de type R. Et celle de Ziggy justement elle touche tout le monde même s'ils sont derrière. Alors je sais plus ce que ça fait. Ouais, vas-y on va utiliser ça. Ah ouais quand même. Ouais, lui je sais plutôt ce qu'il fait. On va essayer d'utiliser ça, tu vois.
Bon, je m'attendais à mieux, je vous l'avoue. Et Junior, il va faire super mal parce que là, il n'y a pas beaucoup de PV. Et moi, il a de PV puis il fait mal grâce à son accessoire. Parce qu'il meurt pas. Ah ouais, quand même. Bah là, il est pas mort, mais... pas loin. Et donc, on va chercher Cosmos parce que c'est la seule qui a pas pu être piratée parce qu'elle a un système de... sécurité extrêmement élevé vu que c'est un projet très important. On va essayer ça, tiens. Pas mal, pas mal. Ah, super. Bah c'est parti. Au 4. Merde. Bon, il meurt, c'est pas grave. Bah je vais l'achever, hein, simplement. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand chose à retenir. Simplement qu'on doit aller chercher Cosmos pour prouver notre innocence, quoi. Pour résumer. Et après, bon, il y a toutes les... Voilà la clé à quoi elle servait. Toutes les infos, par exemple, sur Albedo, ils disent à un moment, c'est un URTV. URTV. Voilà, on obtient du coup le décodeur 5 qui permet d'ouvrir la porte numéro 5 là, du fichier fragmentaire. Qui, je vous rappelle, contient bah, soit des parties du robot là, pour le professeur, soit des accessoires assez bien. Et on va aller donc. Ok. Pour aller dans l'Elsa, puisque c'est là que se trouve Cosmos. Ah oui, on a eu le décodeur 5 et on a eu aussi un drôle d'objet là qu'il faut que j'équipe. Il faudrait peut-être que je soigne Junior aussi. Alors. Ah oui, il reste vite avec un PV hein, les persos quand le combat est terminé. Donc là, l'astuce c'est de soigner avec Momo parce qu'elle est pas dans l'équipe. Donc c'est pas grave de perdre tous nos. Voilà. Hop. Et. L'objet qu'on a eu, c'était ceci. Ouais, là c'est attaque physique plus 4, et celui-là c'est attaque physique plus 12, donc beaucoup plus fort. Et ça ne fait pas simplement améliorer l'attaque de Ziggy, ça améliore vraiment ses stats en fait, donc c'est cool. Voilà. Et là, on va aller se diriger vers le bas, parce qu'en fait, on essaie d'aller direct dans l'Elsa. Ils nous disent qu'on peut pas passer, l'entrée est condamnée. Alors, je sais pas s'il y a moyen d'y aller sans qu'on nous repère. Bon, il n'y a pas moyen. On s'est fait avoir. Ah, ça va, on attaque quand même en premier. Et vous verrez, Albedo, c'est. Donc, c'est un URTV, hein, on l'a compris. Et c'est un des persos les plus importants de Xenosaga tout court, mais surtout dans l'épisode 1 et 2. Et vous allez bientôt apprendre à le connaître. Hop. Ah ouais, quoi, il a pas beaucoup de vie, c'est vraiment super mal. 250, ça a l'air pas énorme, mais... Sur ces ennemis-là qui sont très résistants, c'est énorme. Ah super. Bah tiens, on va tester ça. Ah, je m'attendais à mieux, je vous. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas tester. Ah, c'est Shockblade, mince. Alors Shockblade, c'est une attaque très spéciale dans le jeu. Puisque elle est basée en fait sur l'arme de champ. Je vous montre ça après le combat. En fait, elle fait des effets spéciaux en fonction des balles qu'on lui équipe. Ah, vous voyez, quand je vous dis qu'il fait des dégâts de malade quand il a plus de vie, c'est pas une blague. Hein. Ça va servir énormément, c'est un des accessoires les plus utiles du jeu aussi.
Voilà, Shockblade, en fait, ça fait des dégâts par rapport à ça. Je vous montre. Personnage. Voilà, alors. Vous verrez, l'arme de Fion, c'est la même du début à la fin du jeu. Mais c'est ça qui change. C'est les balles. Et en fait, ces balles... vous voyez, c'est que avec Shockblade, en fait. C'est que cette attaque qui... C'est-à-dire que si vous... Peu importe les balles que vous mettez, si vous n'utilisez pas Shockblade, ça ne changera rien du tout, en fait. Et en fait, ça fait ouais, des effets... des altérations d'état, comme si vous voulez, en fonction de l'ennemi, du type d'ennemi. Donc, le type d'ennemi, je vous rappelle, c'est M, B et G. Donc, mécanique, biologique ou gnosis. Et là, je l'avais équipé le 5, donc qui fait... ça baisse la défense sur les types mécaniques. Non, pardon. Tout sauf mécanique, justement. Biologique et gnosis. J'ai mis ça parce que ça touche plusieurs types d'ennemis, donc c'est cool. Et le reste, c'est tout sur les... C'est que sur les types mécaniques. Et on a souvent des ennemis de type biologique, même si c'est pas le plus courant. On en a aussi beaucoup de mécaniques, surtout les gnosis qu'on voit le moins souvent. Et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a des gnosis partout. On va soigner avec Momo. Et on va bientôt rejoindre Cosmos. En fait, dès qu'on sera rentré dans l'Elsa, il n'y aura plus de combat. Et donc, qu'est-ce qu'un URTV, vous allez me demander? Eh ben, on ne sait pas encore, mais on a vu Pellegri, donc la femme qui est avec Margulis tout le temps, là, dire... ouais, c'est un système de recyclage de la vie, machin. On ne sait pas trop de quoi elle parle. Mais on sait qu'en tout cas, les URTV sont... sont un peu trafiqués, quoi. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne pour l'instant. Hop. Mais on va en savoir beaucoup plus sur URTV dans l'épisode 1. Et dans l'épisode 2, ils n'auront plus de secrets pour nous. Parce que dans l'épisode 2, c'est carrément basé là-dessus. C'est centré autour de... Enfin, l'épisode 1, il est centré hein, autour de Cosmos, vous l'avez bien compris. Mais quand même un peu... Quand même un peu aussi... Bah, un peu tous les persos, en fait. Bon, Ziggy bof, mais... Ziggy, il a son propre jeu à lui. Et c'est aussi basé sur Momo... Le passé de Chon, etc. Mais c'est avant tout Cosmos. L'épisode 2 sera beaucoup plus sur... beaucoup moins sur Cosmos, beaucoup plus sur Junior. Et voilà la petite entrée secrète pour aller dans les arts. Elle dit il n'y a pas de temps à perdre, mais on va en perdre quand même, parce qu'on va aller... alors je sais plus si c'est là... Non, faut descendre directement. Donc on va descendre par là. Ah, quoi que je vous dis une bêtise. Non, faut descendre par là d'abord. Donc on va aller là. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on a gagné un décodeur. Le décodeur 8. Et la porte 8, elle se trouve dans l'Elsa. On l'avait déjà découverte avant. Mais on pouvait pas y aller parce que dès qu'on essayait d'aller dans l'Elsa, ça faisait parler à Matthew qui nous envoyait sur la colonie. Et donc maintenant qu'on peut, on va aller dans cette fameuse porte 8. Qui se trouve par là. Où qu'on est... non, c'est pas là. Oh, je me rappelle où elle est. Hein. Je ne connais pas le jeu vraiment par cœur. Non, elle est pas là. Je sais qu'elle est sur la gauche, c'est pour ça. Ouais, voilà, bah c'est ça, c'est ici. Et voilà, une porte de plus. Il nous en reste plus beaucoup. Enfin, je pense qu'on en a fait presque la moitié, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la jambe gauche du robot. Donc, pour rappel, si vous voulez voir où vous en êtes, vous allez dans les objets clés, fichiers fragmentaires, et là on voit, voilà, on a eu toutes ces portes là, il y en a 18. Et on a trouvé 8 déjà. Il y en a certains, on n'a que les portes ou que la clé. Et à droite, vous voyez bah, justement combien de parties de robot on a. Robot qui est surpuissant, quand on l'a en entier, c'est même complètement, c'est de la triche en fait.
Je vous ai pas encore montré du coup les dégâts que fait l'attaque. Mais rien que la première attaque déjà, bon elle coûte super cher, hein, mais ça fait très mal, ça one-shot quasiment tous les ennemis de base. Et c'est une attaque de zone en plus, mais ça coûte très cher, ça coûte 20 points d'éther. Et le robot complet, c'est du délire absolu, hein. C'est bon, la meilleure attaque du jeu, mais c'est extrêmement cher. C'est un peu le, j'allais dire, le Yojimbo de Dieu. Si vous avez la ref avec FF10, le Yojimbo de Xenosaga, quoi. Hein, sauf que ça tue pas forcément en un coup, mais ça fait des dégâts extrêmement élevés sur tous les ennemis. Et aucune attaque qui fait aussi mal, quoi. On va par là, et on va arriver devant Cosmos, pour des petites cinématiques. J'espère que vous avez les cinématiques, parce qu'on va en voir beaucoup. C'est parti. Here we go. Alan, handle backup for me, alright? Roger. Opening interconnection. Get a grip. Don't worry. I'll back you up no matter what happens. Thanks. Ready, Cosmos? All right, Shion. Let's go home. We're not going to see Mom? No. Not today. We'll visit her tomorrow, okay? Okay. Wait. Don't go. You cannot go. That's right. This was the last day you spent together with your father. I've been waiting a long time for you. We have much to talk about.
RTV. I see. It would appear that this is more than just a hallucination. What is this place? Do you recognize it? Junior? What? I'm asking you if you recognize this place. Yeah, I do. If this isn't an illusion, and my memory's correct, this is Milsha from 14 years ago. Where are you going? I wonder what's troubling him. It looks as though he's trying to chase after those people. I'm sure he has his reasons. Nonetheless, we don't know what's going on, and we can't let him go off alone. You've been waiting? For us? Chaos? Alan? Chief? Where are we? Who are you? I am Nephilim. That's what I have been called. Ever since I existed in this form. Et voilà, donc là vous devez vous demander mais qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, je croyais qu'on allait dans le... voir la boîte noire de Cosmos, et on se retrouve tous dans l'ancienne Milicia d'il y a 14 ans. Alors c'est normal qu'on comprenne rien, puisque c'est pas normal ce qui se passe. Les personnes ne comprennent pas non plus. Et en plus on rencontre à nouveau donc Néphilim, comme dans la chanson de Néphilim dont parlait... dont parlaient Albedo et Margulis, qui apparemment rendrait fou, donc on ne sait pas le lien qu'il y a entre ces deux, cette personne et cette fameuse chanson. On en découvrira plus dans la prochaine vidéo. J'essaierai de vous expliquer un maximum tout ce qui se passe, parce que c'est vrai que quand on comprend, enfin, quand on connaît pas le background des persos, on comprend rien ce qui se passe dans cet endroit. Et donc le groupe sera séparé en deux. D'un côté Ziggy Momo Junior et de l'autre Chaos, Sean et Allen. Et on verra leur débris de leur souvenir petit à petit. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Salut!